YouTube, comment ça va? Bienvenue! Bienvenue, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue! Bien sûr, cette VOD, voilà, c'est l'épisode 29 qui est fait en live sur Twitch parce qu'on est sur Xbox Series S. Voilà, nous sommes sur Xbox Series S, j'espère que vous allez bien. Je me permets de vérifier quelques petits trucs. Je peux mettre ça en mode qualité. Hop là. Excusez-moi, je fais des réglages. Voilà. Du coup, bonjour. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce 29e épisode, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, nous sommes partis pour la suite de nos aventures. La dernière fois, nous avons continué la quête principale, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Rejoindre Takemura. Du coup, ce qui s'est passé en off, c'est que Takemura m'a envoyé un message pour me dire de venir à un endroit précis. Et du coup, vu que nous sommes sur Xbox Series S, je vais vous montrer un truc. Ça va être magique. Ça va être magique, vous allez adorer. Oh, déjà, regardez la fluidité. On va aller ici. Du cyberpunk, OMG, oui, du cyberpunk. Du coup, chers amis de YouTube, puisque je suis en live sur la chaîne Twitch, évidemment, n'hésitez pas à venir. Je répondrai à des commentaires dans le chat, évidemment, puisque je suis un bon streamer. Et sinon, ça va très bien, et toi, mon cher Antoine? Oh là là. Sur Xbox Series S, du cyberpunk, c'est pas buggé, je suis trop content. Parce que pour info, j'ai essayé de tourner l'épisode il n'y a pas très longtemps. Donc c'était cet après-midi. C'était buggé jusqu'à la moelle. Du coup, j'ai préféré me dire fuck it, on va le faire sur Xbox Series S en live. Voilà. Du coup, nous y voilà. En let's play, sur Twitch et sur YouTube. Du coup, ce qui fait que les VOD pourront être un peu plus longues, voilà. Puisque sur PS4, on est limité à 50 minutes. Ça va être la merde. Ah, je confirme. Je confirme, je confirme. Où est-ce qu'il faut que je monte? Mais la mise à jour de quoi? Parce que je confirme, mais je sais pas de quoi ça parle. Tac. Du coup, mon cher Antoine, vu que si je ne réponds pas des fois à ton commentaire ou enfin à tes commentaires ou quoi, c'est totalement normal. Ah oui, là, quand même, mise à jour de Cyberpunk, ouais. Nous sommes en mode qualité. Arasaka n'avait pas assez d'hommes comme ça. Regardez autour de vous, la tension monte dans toute la ville. Les costards savent qu'il suffit d'une étincelle pour que Japantown s'enflamme. Pour rétablir l'ordre. Vaut mieux des gens qu'on n'associe pas à votre nom. Ah, tu es là. Oui, je suis là, Takemura. Ah mais par contre, du coup, pour ceux qui veulent pas être spoil, évidemment, déjà, je vous invite à regarder mon let's play. Mais évidemment, on va spoiler. Goro, content de te voir. Tout le plaisir est pour moi, V. Ok. J'ai réuni des informations de mon côté. Ah, c'est beaucoup mieux le let's play ici. Arasaka-sama avec ce défilé. Par contre, je sais pas ce que ça donne. Mais tiens, mon cher Antoine, vu que tu es là, tu vas me servir de cobaye. Tu vas me servir de cobaye. Je vais avoir besoin de toi de la pour me dire si c'est fluide. Est-ce que c'est fluide comparé à ce qu'il y avait juste avant? Là, je suis en mode performance. Yorinobu est un petit malin. Ce défilé lui permet de montrer son attachement à Arasaka là, il y a eu un et petit à ses valeurs. Et d'instaurer 60 FPS constant. Oui. Il est rusé. Ah oui, c'est très bien. Je parfait. Dois bien l'admettre. L'héritage japonais est une chose. Je vais laisser en mode performance pour moi. Une démonstration de puissance. Le jeu est beau aussi. Les parfait. Chars seront certes magnifiques, mais l'œil avisé y détectera aussi un message caché. En train de me dire ennemis. Sur le stream, c'est 1080p 60 FPS. Je suis là, Gomindomo. Méfiez-vous. Il est pas vraiment subtil, hein.
Je vois toujours pas ce qu'on va faire de tout ça. J'ai ma petite idée. Regarde en l'air. Les chars d'Ashi passeront exactement par là. Si j'arrive à monter sur le char de Hanako-sama, je pourrai lui parler en privé. Mais comment ? En sautant, bien sûr. C'est du délire total, Goro. 1080p, pas 60fps. Regarde, waouh, deux tours. J'ai réfléchi à une solution. Pendant que tu t'occupais de tes petites affaires, je me suis renseigné sur les chars. Ils sont tous entreposés au même endroit. Le parc industriel d'Arasaka. C'est là qu'ils les préparent. Il nous suffit de nous y introduire. De trouver le bon char. Et d'injecter un virus dans son système. Tu pourras alors neutraliser la sécurité. Avant que je me glisse dedans. Ça semble faisable. On peut faire ça d'un tas de façons différentes. Il va me falloir... Je sais ce qu'il te faut. Je m'en suis occupé. J'ai un éclat infecté. Il m'a coûté cher. Mais l'homme qui me l'a vendu m'a assuré qu'il marcherait. Il t'a dit que... qu'il avait le même à la maison, c'est ça ? Où tu l'as eu, cet éclat ? Sur l'autre rive. Kabuki ? Il y a des chances qu'il soit pas trop mal. Et dans le cas contraire, j'ai 2-3 trucs en réserve. C'est bon à savoir. Nickel. Putain, je suis aussi talentueux que ça. Oh, ça fait du bien, du cyberpunk bien. Fluide. Marchons un peu. En plus, avec des petits effets de reflet. Prendre le contrôle. Excusez-moi, pardon. C'est une chose, mais ça ne suffit pas. Allez, 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 wow. Oula. Surtout les snipers. Fais bug un peu. C'est facile. Mais j'ai peut-être une solution. Okada-san a mentionné les caméras de la ville. Si on y a accès, on saura exactement où se trouvent les snipers. Par contre, il faut que je fasse très très attention au truc Peggy 18. Ok, ça devrait faire. Tu n'as pas d'objection ? Les risques sont importants. Oh, tu sais, je commence à avoir l'habitude. Oui, au moins. Et maintenant, que dirais-tu d'un petit test ? Il faut essayer l'éclat. La salle de contrôle des caméras est devant nous. Tu dois y accéder et infecter le réseau, c'est tout. Ouais, et pendant ce temps, tu vas faire quoi ? Te boire une petite bière ? Je ne bois pas d'alcool pendant le travail. Dans les paramètres pour censurer tout ça. Ah bon ? Ah bon ? Sous-titres cinématiques, oui. Détecte, nanana. Application de détection. Ah, les droits d'auteur. Oui, je désactive. Donc ça, c'est fait. Ensuite, le jeu. Aide à la visée. Oui, je garde. Je suis une grosse bite au jeu, donc je garde. Didacticiel. Je peux pas. Je garde, nanana. Activer les analyses. Ah non. Passer les holocalls. Nanana. MG Lion versus Mario. MG, même là, il vient me faire chier. Bonsoir, mon cher Luan, comment vas-tu ? Un facteur de flair. Simule la diffusion de la lumière à travers l'objectif d'une caméra. Oh, on peut garder. Flou cinétique, non. Vidéo, nanana. Ah bon, on peut pas. Indicateur de coup. Indicateur de menace. Afficher des dégâts. Bon, on dirait qu'on peut pas. Glyphe prédéfini, ça c'est le volume. Les divers, les sous-titres. La radio, on garde. Bon, ben on dirait que... Ah, afficher les options avancées. Peut-être pas ces options-là. Bon. Je te couvrirai. Mais y a que la musique. Allez, à toi de jouer. Après, vu qu'on est sur Twitch, je sais pas si les musiques de Cyberpunk passent ou pas. Du coup, je préfère... Oh, t'inquiète. Bah, au moins, grâce à toi, j'ai repensé aux musiques. Fait pas, hein. Alors, hop là. Putain, ça a marché. Dites-vous, là, sur PS4, on aurait été à la moitié d'épisode. Journal intime de prostituée de Watson. Alors, on va pas le lire.
pour ça que je... Ben merci de m'y avoir fait penser. Alors ? Le système est à nous. L'éclat fonctionne. Bien. On a fait le plus simple. S'infiltrer dans le parc industriel d'Orosaka ne sera pas une mince affaire. Bonsoir, madame. Mais avant de parler de ça... J'ai perdu hier. Quand je regardais ma tenue. Assieds-toi. Toujours aussi buggé. Je n'ai rien mangé. Et depuis hier. C'est, en fait, c'est un peu buggé parce que ma tenue... C'est ça. Là, vous voyez, il y a une chemise. Voilà, je suis plutôt bien habillé. Donnez-moi votre meilleur plat. Pourquoi ? Aujourd'hui, je vous recommande vivement les yakitori. Du moment que ce n'est pas... N'ai plus les manches local. De ma chemise. Allez, à demain. BFM TV, au cœur de l'info. Ça me fait mal de dire ça, mais ce fumier de char Asaka pourrait nous être utile. C'est un chien bien dressé. Il demande qu'à obéir. Et quand on n'aura plus besoin de lui, très plat, direct. Il est pas au top de sa forme, ok. Mais même sans ses implants, il pourrait nous dérouiller. Je peux savoir d'où tu sors ça? Tu l'as déjà vu à l'œuvre? Non, mais ça se voit. À sa façon de marcher, et dans son regard. On en reparlera plus tard. Et quel BG ce jeu. Ah, je confirme. Yakitori. Et encore sur PS4, j'avais l'autre version. Bien. J'ai établi le plan. 1. On s'infiltre dans le parc industriel d'Arasaka. 1,5. On pirate le char de Hanako-sama. 2. Quelle version ? Celle avec défilé, une... Je te guide. Et tu élimines tous les snipers. De punk. 3. Je monte sur le char. 4. Je révèle la vérité à Hanako-sama. Veste de costard, etc. 5. Oda nous bute. Oublie le 5. Oda nous bute et pisse sur le cadavre. Il va sûrement pas lâcher Hanako d'une semelle. Je suis convaincu qu'Oda n'oserait pas s'attaquer à moi. Et à moi, oui. Pour toi, c'est différent. Je te conseille de ne pas t'approcher de lui. Très bien. Laisse-moi manger d'abord. Les brochettes semi-transparentes. À mon avis, c'est du suicide. J'ai déjà fait plus stupide que ça. Tu as fait des choses encore plus stupides que voler Arasaka. Ah, ça non. Faut dire que j'ai fait une vidéo avec Plants vs Mario, c'est plus. Maintenant, c'est beaucoup plus stupide. Il faut faire une reconnaissance. Tu vas avoir besoin d'un guide. Je viens avec toi. C'est vrai. Et avec ta dextérité et ton esprit de voleur, c'est d'accord. Faisons ça ensemble. Chef, montez le volume. BFM TV, c'est maintenant, c'est Arasaka qui parle. En chair et en os. Il a éliminé le dernier obstacle entre lui et le pouvoir absolu. Et ils lui ont donné ce pouvoir. Comment qualifier le meurtre de mon père ? N'était-ce pas une provocation ? N'était-ce pas un... Arasaka, un empire bâti pour durer. Toujours là. Toujours la pub BFM TV, sérieusement. Tout est de sa faute. Les factions. Les luttes de pouvoir. Tout ce... Je savais qu'on aurait dû mettre le journal régional de France 3. Comment Saburo a pu laisser faire ça? J'arrive pas à piger. Il aurait pu surveiller son fils de près. Arasaka-sama était un homme fort et discipliné. Oui. Le plus fort. Un homme qui me regarde, ça fait bizarre. Pourtant, à un moment crucial, il a fait preuve de faiblesse. Envers Yorinobu? Envers sa fille. Quand Yorinobu a formé sa meute et a déclaré la guerre à sa propre famille, Arasaka-sama n'avait qu'un mot à dire pour l'écraser. Mais il ne l'a pas fait. Car il ne voulait pas que sa fille en souffre. Quand Yorinobu est rentré,
la queue entre les jambes. C'est elle qui a convaincu son père de lui donner une seconde chance. Tu comprends maintenant? Hanako-sama a sauvé Yorinobu des conséquences de ses actes. Si on arrive à convaincre Hanako de notre version de l'histoire, sa vision des choses pourrait changer. Sa conscience pourrait aussi la travailler. Enfin, si elle en a une. Nous devons d'abord l'atteindre. On y va ensemble. De quoi, là, maintenant? Merci, je vais me débrouiller. Très bien. Je vais y aller aussi. On se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas, évidemment. Évidemment, on fait de la reconnaissance. Voilà, je fais de la reconnaissance. Olé. Je fais de la reconnaissance. Je fais de la reconnaissance. Manger. Je mange tout. Hop là. Je suis reconnaissant. Bonjour madame. Je fais de la reconnaissance. Pardon monsieur. Pardon. Veuillez m'excuser. Je n'avais pas fait gaffe que vous n'aviez pas de poitrine. Ah, c'est là qu'il faut aller. Je sais cette mission. Allez à la zone industrielle. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres petites missions juste avant? Rejoindre River. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Trouver le taxi. Ouais, les taxis. Aller voir Claire. Se battre. On peut aller faire une mission où on se bat contre des gens. Je suis une femme DTK. Évidemment. En fait, j'ai vu la silhouette, je me suis dit, c'est une silhouette de femme. Si tu m'approches, je vois le visage. Ah! Écoutez, le futur de 2077, voilà, c'est assez difficile hein, quand même, à se repérer, etc. C'est Roberto. Alors, on va se battre. J'adore les reflets dans le jeu. C'est pas par là qu'il faut aller. C'était bel et bien par là, parce que là on allait vers un cul-de-sac. Ok. Oui. Oui. Oh. Oh là là. Sinon vous allez bien, que ce soit Twitch ou YouTube. Si vous allez bien, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Un petit commentaire qui dit que vous aimez l'argent tout comme moi. Ok. Non. On sauvegarde ici. Tu disais que tu cherchais du travail. Et j'en ai trouvé. Ouais, César, viens me battre. C'est moi, el hijo de puta le plus balèze du Glen. Arrête de me raconter des salades, César, t'as compris? Kaila, chérie, je sais ce que je fais. Fais-moi. Je veux plus t'entendre. T'as dépensé une fortune pour du chrome. Et maintenant, bah, j'abandonne. Donnez-lui une bonne leçon de ma part. Ça lui remettra peut-être les idées en place. Très bien. Mikaela, attends. Ta voiture et ta femme et ton gosse. Écoute. J'ai besoin de pognon, et vite. C'est pour ça que j'accepte que les gros paris. Je mise ma caisse. Alors soit tu t'alignes avec du cash, soit tu fais une croix sur le combat. 20 000 ? Quoi, toi ? 20 000 boules ? Mais il a cru que je roulais sur l'or ? Je rêve. 20 000 boules ? On va se battre ailleurs. C'est où ça, Arroyo? Attendez, mais il y a combien de missions secondaires, là? On va aller se battre à Arroyo.
Merde, j'ai cassé le... La lumière. De la main. Vous devriez inspecter la zone. J'ai perdu le contact avec un véhicule de la main tout près. Ça marche. Merde. Voilà. J'ai un peu freiné trop vite. Titre. Yeah, let's go. Let's go Pacifica. Merde, non, c'est là qu'il faut tourner. Eh non, on va pas à Pacifica. On tourne à gauche. J'adore l'atmosphère du jeu. Tourne. Tourne. Wow. Wow. Putain. Tout se passe bien. Et je suis pas bourré en plus. Ok. Tout se passe bien. Ok. Là. Voilà. Voilà. Messieurs, dames, bonjour. Rostovitch ? T'es bigleux en plus d'être con ? Viens me battre. C'est toi, Buck ? Ouais, en chair et en os. Et en chrome. J'ai le portefeuille qui frétille rien qu'en te regardant. Je mise tout ce que j'ai contre toi. Je te trouve bien sûr de toi. Je vais te montrer pourquoi. Ce bras est de qualité militaire. Os en titane, fibre de carbone. Je pourrais transpercer un char avec mon poing. Alors, t'es partant? Ou bien t'es en train de pisser dans ton froc? J'accepte. Okay. S'il y a que ça pour que tu fermes ta gueule. Pas le temps de rigoler, hein? Bien, parce que je vais t'en faire passer l'envie. Viens, suis-moi. Là. Hop là, je te pique tes cartes. Oh, bonjour. Prêt? T'as pas trop peur, j'espère. Je suis impatient. Alors, allez. Ça te plaît de te faire massacrer la gueule? Allez. Allez. Wow, 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 attends. Ah, mais il esquive pas. Ah. Attends, je suis trop vieux. C'est ce que je pensais. Mais quoi? T'es tout en... Non, 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 non. Recharge, recharge, recharge. Recharge, hop, 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 hop. Je ne suis pas... Je n'apprécie pas de me faire battre comme ça. Attendez, attendez. Attendez, avec le personnage qui esquive pas. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Je vais te montrer pourquoi. Ce bras est de qualité militaire. Os en titane, fibre de carbone. Bonsoir, bonsoir mon cher Astro, comment vas-tu? Alors, la constitution. Je vais te péter la gueule, mon petit. Hop là. Je pourrais transpercer un char. J'augmente mes poing. Stats. Ça va très bien et toi? Bah écoute, alors, ça va très très bien. On est en train de faire un petit tournage, là, voilà, de la. Du let's play sur Cyberpunk. Hop là. Là. Prêt? Tiens, tiens. Tiens. Là, là t'es content hein, avec ton bras militaire. Hein? Hein? Aïe! Oui, oui, oui. Waouh! C'était les portes. Il faut le tabasser! Il est au sol!
Ah. Ah, mais what? Ah, mais il fait trop mal. Ah, c'est ce que je pensais. Mais quoi? Mais what? Non, attends. Je vais te péter la gueule, mon petit, tu vas voir. Quelle agilité digne de réalité tellement réaliste. Ah, t'as vu ça un peu? Mais what the fuck? Mon personnage, il se fatigue dans 3 secondes. C'est pas juste. On retente. Eh. Je veux le battre, là, l'espèce de Fidel Castro. C'est buggé. Oh non, c'est buggé. C'est buggé. C'est buggé. Oh, t'as pas fait le bon choix au début du jeu. Ah, je pense aussi. Hein. C'est buggé. Pourquoi c'est buggé? Pourquoi il a fallu que ça tombe sur moi? Ouais. Prêt? T'as pas. Tiens. Ok. Là, je le laisse venir vers moi. Il a réussi à me toucher. Hop là. Il réussit quand même à me toucher. Hein. What? Allez. Allez. Oh, mais c'est pas possible. Allez. Ah, oh, purée. Eh ben voilà. J'en sois quand même les dégâts. Je t'arrache ta putain de langue. C'est ça. Tu te prends pour un dur? T'as eu du bal, c'est tout. Non, c'est ouais, parce que tes hitbox, elles sont pétées. Maintenant, envoie les Eddie. Allez. Tiens. Et par toi. C'est très généreux. Merci, Buck. Fini de te parler, je crois, non? Si tu cherches à me foutre en rogne, tu te débrouilles bien. Du calme, Buck. C'est qu'un petit combat entre amis. Va te faire enculer. Je suis pas ton ami. Pardon. Excuse-moi, mon petit. Ah, viens. La mauvaise, c'est pour ça. Ok. Bon, et ben reprenons. Alors, combien on a de monnaie? On a 19 000. Ok. Bonjour. Pardon. J'ai roulé sur une bosse, je crois. C'est ultra méchant. Pas fait exprès. La seule conduite. Drift. Ouais, Tokyo Drift. Wow. Tourne. J'ai cassé ma voiture. Tourne. Arasaka. Tourne. Bon bah ça s'est arrêté. Putain de... Viens. De barbelé.
J'ai trouvé un bon point d'observation. Par ici ? Il nous suffit de grimper là-haut. Oh là là, qu'est-ce qu'il est lent. Grimper là-haut, allez, très bien. C'est par ici. La chance est avec nous. J'improvise, je sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller. Tu aimes te compliquer la vie. Bah non, c'est moi qui est au-dessus. Il a pris l'ascenseur, c'est ça? Il y avait un ascenseur? Il y avait un ascenseur. Et pourtant, je suis arrivé, toi! J'ai arrivé avant toi! Ce serait une belle vue sur la ville. Si seulement. Quoi? S'il y avait quelque chose à admirer. Tu détestes Night City à ce point? J'ai peut-être juste. Le mal du pays, comme vous dites. Bien. Regarde si tu trouves dans des les points commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous sentez le 60 FPS. Je vais réfléchir à une diversion. Il ne faut pas que le Saka découvre ce qu'on prépare. Un sabotage serait parfait pour détourner leur attention. Tu auras le meilleur angle sur la gauche. Je vais me poster là. Cette vieille lunette devrait nous être utile. Et si nous commencions? Ok, c'est parti. Ton presse, V. Bah, je suis là. Ah, faut scanner. Ah, autant pour moi. Je vois le système de com. Il y a beaucoup de gardes. Le téléphone qui a décidé de d'être un rebelle. Va me servir à faire diversion. Le transformateur près du mur, tu le vois? Il pourrait nous aider à grimper. Nous ou moi? Une antenne. Le cœur de leur sécurité doit être dans ce bâtiment. C'est parfait pour un sabotage. Des tourelles camouflées près de l'entrée. À éviter. Je ne tiens pas à mourir là-bas. Tu te débrouilles bien. Oui, je sais. Les tuyaux, tu les vois? On pourrait s'en servir pour entrer. On dirait un tunnel de maintenance à côté de la route. Du mec, elle me rappelle celle de... peut-être aux entrepôts. Stallone. Ah. Lequel? Mon personnage ou Takemura? Je crois que j'ai tout vu, là. On a ce qu'on est venu chercher. Alors, on s'y met? Takemura. C'est ce que as dit avant d'entrer dans le Kumpeki Plaza? Je veux être sûr que nous n'avons absolument rien négligé. Il vaut mieux attendre et observer. S'il ne se passe rien d'inhabituel, alors oui, on s'y met. Bonne idée. Il n'y a plus qu'à tuer le temps. Très bien, c'est parti pour un concours de blagues racistes. Alors là, le mec... V. Quoi? Faire. Pas du geste brusque. Tu le vois, le chat. Il est mignon. Je croyais qu'ils avaient tous disparu de la ville. C'est le premier animal que je vois à Night City. Si on exclut les cafards, bien sûr. Ça a d'abord été les oiseaux, puis les chiens. Les chats ont résisté plus longtemps. C'est peut-être un Bakeneko. Un Bakeneko quoi? Un Bakeneko? C'est quoi? C'est un chat esprit. Il apporte le malheur. Il peut ressusciter les morts. Oh mon dieu. Ça veut dire qu'en 2077, Maître Gims a ressuscité et il a dit « Je suis un... Bref. Tu crois aux fantômes? Tu crois aux fantômes? La relique te permet de parler aux morts, non? Alors cette question n'a plus de sens.
Ma grand-mère connaissait un tas d'histoires sur les Kitsune, les Kappa et les Bakeneko. Ça te manque ? Question, idiote. Je viens du bidonville de Chiba 11. Un jour, quand je ne pensais qu'à en partir, j'ai... Ces mauvais souvenirs se sont effacés avec le temps. Je ne regrette que l'insouciance de mon enfance. Je me souviens quand enfance. J'étais petit. Voyons voir. Des nuits à chercher une étoile. N'importe quelle étoile. Au milieu des lumières trop vives de la ville. Les berceuses silencieuses des néons clignotants de Charter Hill. Je me souviens de l'odeur chimique du canal où je lavais mes chemises avec les autres garçons. Des transporteurs corpaux passaient parfois dans notre quartier. Arasaka sélectionnait des enfants, mais seulement ceux qui étaient propres. Laisse-moi deviner, ils voulaient en faire des soldats corpaux, c'est ça ? Exactement. Quand on m'a choisi, c'était comme si j'avais gagné à la loterie. À la remet, on m'a donné tout ce dont j'avais manqué. De la discipline, des repas réguliers. Et quand j'ai fait mes preuves, une éducation. Ouais, et en échange, t'avais juste à tuer les ennemis de Saburo. Je sens que tu me juges. Même si tu n'as aucun droit de le faire. Contrairement à toi et à ton ami, Monsieur Wallace, je n'étais pas arrogant. Je n'ai pas choisi la facilité. Je te jugeais pas. C'est faux. Tu t'opposes aux corporations, à leur ordre, leur monde, de façon absurde. Mais tu n'offres pas d'alternative sérieuse. Regarde autour de toi. Voilà le monde des corporations dans toute sa splendeur. Tu me montres des rues sales, comme s'il n'y avait pas d'autre monde. Comme si... Paris, c'est la même chose. Si rien d'autre n'était possible. Et les millions de gens qui travaillent pour Arasaka, qui profitent d'une stabilité, de la sécurité. Et les pauvres de Chiba 11, ils survivent en recyclant des conserves de scope. Ça aussi, c'est le choix des corpos. On ne peut pas tout arranger d'un coup. T'oublies que j'ai bossé pour Arasaka ? Je connais les méthodes. Ouais, Johnny. Y a rien de glorieux. Et tu sais quoi ? J'appartiens à personne. Je suis libre. Tu dois essayer. J'aimerais parfois devenir un nomade. Quitter ce monde. Oublier tout ça. Il est jamais trop tard pour changer. Non. Comme vous dites... Les vieilles habitudes ont la vie dure. Tu sais ce que je crois ? Non, quoi ? Ce jour-là, au Kanpeki, on a tous les deux perdu quelqu'un d'important. On ne l'accepte pas. Alors on cherche le conflit, on se querelle pour rien. Joue pas au psy, t'as aucune idée de ce que je ressens. Les vivants ont le devoir d'expier pour les morts. Hanako-sama va nous aider dans notre mission. Ou elle veillera à ce qu'on crève pour de bon. Pas faux, Johnny. On dirait que le Bakeneko en a eu assez de nous. Elle va trouver sa propre voie. Comme nous. Je pense qu'il est temps de passer à l'action, non ? Merde, c'est de pire en pire. Tu n'as pas l'air si mal en point. Takemura, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? On se retrouve sur... Ouais. À tout de suite. Ouais, ok, Takemura. Takemura, je vais pas pouvoir y aller. Il y a Takemura qui m'attend. Ok, Takemura. Oh.
l'ambiance Blade Runner là. Qui est-ce qu'on attend? Alors, on pouvait escalader par là, c'est ça? Takemura, je peux pas. Par là, par contre, oui. Oui. On voit pas combien il y en a. On a deux. Ok. Et merde. Bon, bah tant pis pour la discrétion. Bon, bah la discrétion c'est mort. Allez, on fonce. Oh merde. Jette ton arme et montre-toi. Bon, bah la discrétion c'est mort. Hein. J'y suis. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Je vais essayer de les distraire. Fonce jusqu'au char. Ok. Où est-ce que je vais? J'en sais rien. Aïe. Là, ça je prends. Attends, pousse. Allez, on va. Merde, où le surchauffe? Où j'aime pas ça. Ah. Au secours. À l'aide. J'ai mort. Bah, je me doute bien, Takemura. Je peux te voir. Ok, j'entrai. Tourne les plus gros chars. Ils sont contrôlés de l'intérieur. Je pense qu'ils utilisent aïe, aïe, aïe. Vijay, comment ça se passe pour toi? Bien. Je vais attendre la salle de contrôle. Ah, comment? La confusion. Bien. Je suis prêt. Quand tu merde. Je détraquerai les systèmes. Bon, mais je passe. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ok. Et merde.
Oh non, c'est pas le moment de bugger. Rends-toi. Ah. Ah. Attends, pousse le jeu. Non, mais non, pas comme ça. Ok, le char est à nous. Vas-y, oui. Tokyo, si c'est... Oui, pourquoi pas. Bon travail. Très bien. Je sais pas où il faut aller. Tu as vu, c'est le chaos total. Même le toit commence à... Mais, le toit, c'est ta porte de sortie. Il y a des bâtiments plus petits tout autour. Certains pourront descendre. Ouais. Je fais ce que je peux. Putain, ça a marché. Excellent travail, V. Ok, et maintenant? Maintenant, on retourne dans l'ombre et on s'arme de patience. Je te contacterai avant le défilé. D'ici là, tâche de ne pas t'attirer davantage d'ennuis. Oh, je suis plus à ça près, tu sais. Eh vas-y donc. Ok. On va continuer. J'ai envie. Oh. Tout s'est bien passé. Bon. Ben, on va passer par là du coup, j'imagine. Parfait. Et bah tout s'est bien passé au final. Bon, prochaine mission du coup. On a des contrats. Ok. On va aller faire la mission de River. On va y aller en voiture. Hop là. Voilà. Voilà. Oh là 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 là. Garde en guise d'avertissement. Ok. Qu'est-ce que tu... Attendez quoi, je le drague ? Tête à tête, non? Non, pas de réponse. C'est bien ce que je pensais. Il n'y a pas une radio, moi, dans le jeu? Oh putain, Twitch, Lady MCA, tout ça, vous faites chier. Sur YouTube, il n'y a aucun problème. Dommage. Ah là là. C'est bien de conduire, hein. Au moins. Pardon. Vas-y, vas-y, tourner. Waouh.
Judy. Hey, salut Judy. Comment tu te sens? Pas top, mais j'ai eu une idée. Dis-moi, c'est quoi ton idée? Le QG des Mox. Attends. Le Lidziz. C'était une maison de poupées avant. Les Tiger Claws ont tué une fille de trop. Alors les gens ont pris les choses en main. Et le club nous appartient maintenant. Il pourrait se passer la même chose au Cloud. T'es sûr d'y avoir bien réfléchi, Judy? J'ai réfléchi à que dalle. Tout ce que je sais, c'est que les Mox n'ont pas fait bouger les choses en restant assis sur leur petit cul ferme et bronzé. T'as convaincu les Mox de s'emparer du Cloud? Non, c'est toi que j'essaie de convaincre. Je connais quelqu'un au Cloud qui sera de bas côté. Tu vas m'aider? Ouais, évidemment. D'accord, tu peux compter sur moi. Ouais. Ok, alors, c'est quoi le plan? D'abord, on doit parler à Maiko Maeda. Si elle refuse de marcher avec nous, c'est même pas la peine d'y penser. T'es sûr que Maiko voudra nous filer un coup de main? Si j'étais sûr, je serais en holo avec elle en ce moment, et on n'aurait pas cette conversation, toi et moi. Ok, je reformule. Elle risque pas de nous envoyer chier et de nous balancer par la fenêtre de sa méga-tour? Si, bien sûr. Bon ben, je vais faire avec. Tu veux faire ça quand? Demain matin, tôt. Le Cloud sera fermé, on croise pas un chat à cette heure-là. C'est quoi, tôt? Avant 8h, je serai près de l'entrée. Non, oublie. Le balcon au-dessus du Cloud. On entrera discrètement. Personne n'a besoin de savoir qu'on est là. Sur le balcon. Ok. Ok. Bon, j'y vais à pied. Ici, là. Plutôt. Ok, je vais attendre. Hop là. Ah oui, j'ai sacrément attendu. Un peu plus tard. Ah oui, j'ai attendu une... toute une journée. Content que tu sois là. Tu vas m'aider à cuisiner. Salut. Y'a quoi au menu? Un jambalaya. Salut, comment ça va? Vas-y, tu peux touiller la viande. La viande de soja. Ok. C'est peut-être mieux que ce soit Joss qui t'aide. Joss a fait sa part du boulot. Allez, chope une cuillère et touille. C'est la recette secrète de la famille Ward? Hein? De l'oignon, du paprika, du thym... Faut encore que je coupe du céleri et de l'ail. Toi, tu touilles sans t'arrêter. Ok? Tu touilles. Je touille, je touille. Tu vas manger le meilleur jambalaya de ta vie. Je voudrais pas gâcher cette journée, mais... Je veux savoir... T'as fait quoi de Peter Pan? Tu veux savoir si je l'ai buté? On en parle plus tard, ok? Ok, pas de soucis. C'est juste que... Tu sais... Je sais. Grosse ambiance. Faut touiller, hein. Ok. T'as assez touillé, je crois. Tu peux aller me chercher le riz dans la cuisine? Oui, chef. Oui, monsieur. Non, Randy a toujours été comme ça. Mais ça a pas dû aider. Tu sais, son père était compliqué, lui aussi. Comment tu vas, Joss? Je te rappelle plus tard. Le mec qui s'incruste. Eh, comment ça va? Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. C'est moi qui te remercie. T'as l'air en forme, Joss. Ah oui, tu trouves? Merci. Comment va Randy? Il est toujours à l'hôpital, en état de choc. Mais il se remet petit à petit. J'ai pas eu l'occasion de te remercier pour ce que t'as fait. Oh, c'est pas grave, hein. L'important, c'est que ce soit derrière nous. Je sais vraiment pas comment te remercier. Tu sais, si... Si Randy était... Joss, tu me dois rien, je t'assure. Merci. River est dehors dans le jardin. Il avait hâte de te revoir, tu sais. Du basmati, super. Basmati Toro. Merde, non, j'allais dire une marque. Chut, chut, pas de marque.
Ensuite, les tomates. Vas-y, tu peux verser le riz. Et un peu de sucre en poudre. Merci, chef. Non. Maintenant, vous laissez mijoter. Oui. On va dans la cour. Oh merde. Oh pardon. Oh, je suis désolé. J'ai pété tes... Prends une chaise et une bière ou ce que tu veux. C'est sympa ici. Ouais. On a l'impression que... Il s'est jamais rien passé de mal. Alors vas-y, parle-moi d'Aris. Je suis allé le voir à l'hôpital. Ce drama. Il est toujours dans le coma? Ouais. Dans un genre de sommeil entre la vie et la mort. Une coquille vide sur un lit d'hôpital. Une balle dans la tête, et ça aurait été réglé. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est tellement facile. J'ai mis le flingue sur sa tête et... Je me suis souvenu d'un truc. River. De la mort de mes parents. Tu veux... Tu veux vraiment que je t'en parle? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père avait une ferme, comme celui d'Aris. Quand ça a été plus rentable... Mes parents ont réussi à ouvrir une petite épicerie. On vivait juste au-dessus. Une nuit, on s'est fait réveiller par un bruit. Ils voulaient du cash. La caisse était vide, alors ils sont montés à l'étage. Ils nous ont tous mis à genoux. Et ils ont demandé à mon père où était le fric. River, tu peux t'arrêter là. T'aimes pas les histoires tristes? C'est pas ça. Je vois bien que c'est dur pour toi, alors... Pas besoin de ressasser ça, maintenant. Ok, ouais. T'as sûrement raison. Mais... Pour Aris, t'as fait quoi? T'as mis ton flingue sur sa tête et... J'ai buté pas mal de gens dans la police. Mais... jamais comme ça, via une exécution. Je me suis tiré de l'hôpital, en me disant que l'affaire était résolue. Ok, mais tu vas faire quoi? Tu vas pas retourner dans la police? Je pourrais faire... détective privé? On verra. On verra bien. T'as dit que tu jouerais avec nous! T'as promis! D'accord, d'accord. J'arrive. V, tu vas venir? Alors, on joue à quoi? Si j'ai le choix. Tu verras. Dorian, on joue. Ouais, à panique à Haywood. Prends ton équipement. Prends l'équipement, ok. Wow. La police. Alors, t'en dis quoi? J'ai toujours eu envie d'essayer un de ces jeux. Hé, hey, elle est pas mal cette arme. Essaie de rester concentré. Cette vermine doit pas nous échapper. Qui? Oh, quelle allure. V, je te présente le capitaine Johan McLean et le lieutenant Henry Callahan. You. Ce sont les meilleurs éléments de notre commissariat. Mieux vaut ne pas se les mettre à dos. Je travaille toujours tout seul. Pas d'exception. Même pour toi. Ouais, pareil pour moi. Bon. Allez, c'est parti. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais let's go. Maintenant, on doit juste localiser El Chamuco en Diablado et éliminer ses sbires en chemin. Je vais y aller au sniper. Payer pour ses crimes. On joue en deux équipes, les enfants et nous. Mais on a le même objectif. L'équipe qui fait le meilleur score gagne. Oh bah ok. Vous avez aucune chance. Dive, vas-y mollo, ok? C'est leur jeu préféré. Dag. Ah, voilà une arme. Let's move. Il est là, chope-le. Cette ville m'appartient. Vous me la prendrez jamais. Rapide.
il s'en va. Pour échapper à la justice. Attention, voilà. Let's go. Tout ce que tu sais faire. Regarde ça. Score adulte. Encore, on en refait une. Par là, ça doit être leur planque infestée de rats. Je vais les laisser gagner. La déchéance morale à 1 km. C'est calme. C'est trop calme. Et du coup, dans le jeu, enfin, on se déplace dans la réalité, j'imagine. C'est un piège! Ils nous attendaient! Ah! Ah, tout ça terre! C'est trop lent! Dis-moi, je te touché! Il est touché! La partie est pas finie! Ah! Derrière nous! Allez! Prochaine fois. Let's move. Ah. Ah. Écartez-vous. Entravez l'action de la justice et punis par la loi. Calme, capitaine. Je vais que passer. Prends ça! Bien joué, les enfants. Très loin. Ne fonce pas là-dedans, Kala. Je peux pas me permettre de perdre mes meilleurs hommes. Ne tentez pas pour moi. Avance. Très bien, suivez-moi. Non. Oh non, je n'ai pas réussi à la voir. Bon, je crois qu'on les a tous eus. Mais c'est pas encore terminé. Merde. Pas de dernière parole. L'ordure, je veux te voir supplier. Non, vos dernières paroles. Oh, c'est pas vrai, encore une embuscade. Allez, maintenant. Le repas est prêt. Maman, on l'avait presque. Eh ben, vous l'aurez la prochaine fois. Ouais. On a battu les grands, au moins. On est les meilleurs. Ouais, wow. Merci de les avoir laissés gagner. Ils se sont bien amusés. Non, c'est des chouettes mômes. Y a pas de quoi. Je crois qu'ils t'ont à la bonne maintenant. Allez, tout le monde à table. Dans la réalité, les enfants, je les aurais défoncés dans le. Ah, à table. Alors, cette partie, c'était bien? Génial! On les a écrasés! Les méchants. Ouais, les méchants aussi. Ça sent bon, mais j'attends de voir le goût. Ça te réussit bien le chômage. T'as l'air en forme. River découvre les joies de la vie de famille. Famille et police, ça fait pas bon ménage. Je rattrape un peu le temps perdu, on va dire. Putain, j'ai faim, moi, dans le jeu. Que je l'avais pas vu aussi serein. Et toi, V? T'as une famille ou quelqu'un de spécial à qui tu tiens? Si c'est possible un jour, j'aimerais en avoir une. Simplement parce que j'adore ce genre de moments en famille. Mes gamins, c'est ce qui compte le plus pour moi. J'ai fait des erreurs, j'ai dérapé dans la vie parfois, mais mes gamins, il n'y a que ça qui compte. Joss, tu crois que je ferais un bon père? Pas du tout. Regarde-moi, j'ai pas une tranche de mère parfaite, tu sais, alors... Oui, qui dit oui? Moi. Ouais. Il a levé la main
rêver, tu vois quelqu'un en ce moment? Allez, raconte. Bon, ça suffit. Bah, attendez, je peux parler de Paname. On a 1199, officier en difficulté. T'en fais pas, je vais te sortir de là. Mais je voulais parler de Paname. Elle s'appelle Paname. Merci, Joss. Ouais, merci. Je voulais parler de Paname. Ça m'aurait pas dérangé. La situation commençait à dégénérer. C'est à ça que sert un équipier. T'étais vraiment à deux doigts de taper tous les albums photos, là. On y est. Ok, qu'est-ce que c'est? Un château d'eau. C'est super ici. Super pourquoi? Pour boire un coup et bavarder. Par ici. Oh merde. La grille est encore coincée. Faudra la réparer un jour. Je vais t'aider. Tu passes par-dessus et tourne de l'autre côté, ok? Vas-y. Bon, ok, d'accord. Oui, 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 oui. Ça passe. Ça passe. Ah. Ah. Bon. Ok. Allez, on y va. Pas mal ici. C'est pas époustouflant, mais... Ça en jette un peu quand même, non? C'est pas Corpo Plaza, c'est sûr. Non. Mais on vit bien ici. Il y a pire comme endroit pour être dégueulasse. Ah, le truc de Johnny... Et non, les problèmes de délinquance maintenant. De Randy. C'est pas sorti nulle part. Ouais. Mais il tient ça de son père. Il aurait fait des conneries dans un quartier plus tranquille aussi. C'est vrai que la vue est incroyable ici. Il paraît que c'est la pire ville entre l'Atlantique et le Pacifique. Ben non, je suis désolé, Paris existe. Hein. Mais j'adore cette vue. Je trouve ça apaisant. Les gratte-ciels sont majestueux vus d'ici. Quand on voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Nostalgique. Le stress, les coups de pute, tellement de pression que ça te file des ulcères. Bizarrement, ça me manque pas. J'ai quelque chose pour toi. Ah bon? Une surprise? Ton flingue? Je l'ai depuis longtemps. Trop longtemps. Il est temps qu'il change de main. Mais... Je sais pas quoi dire. Promets-moi juste de pas t'exploser les orteils avec. Pourquoi les orteils? Le mari de Joss s'est fait ça. Il était bourré. Juste là où t'es. Ah, je vois. C'est pour ça que t'aimes bien venir ici, alors. On peut dire ça comme ça. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Tu veux un verre? Bien sûr! Je suis pas contre un petit remontant. Ah, là tu me fais plaisir. Embrasser, à nous, non. À Night City. À la santé de cette putain de ville. À Night City. On profite pour faire des photos. Et il t'en reste encore? Deux bouteilles de whisky et une caisse de bière, ça devrait le faire. Oui. Pas sûr, on verra. Alors accroche-toi à ton foie. La nuit va être longue et la matinée encore plus. Oh là là. Purée. Oh bon ça. Oh, qu'est-ce que j'en ai fait? Mon
de Zeus. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis, Marty? Je sais pas si ça s'entend, les notifications Xbox. C'est normal, c'est parce que j'ai pris plein de captures d'écran. On a colonisé la Lune et on n'est pas foutu de soulager une gueule de bois. Au moins, on s'est bien amusé hier. Ouais. Mais je dois filer. J'ai promis à Joss de l'emmener voir Randy. Bon, y a rien qui presse. Prends tout ton temps pour récupérer, si tu veux. Tu peux conduire au moins? Dis à Joss, que je m'excuse. Dis à Joss que je m'excuse de m'être barré avec toi juste après le dîner. Et d'avoir gerbé à côté des chiottes. Oh merde. Oh merde. T'es en état de conduire au moins? Sûr que tu peux conduire? J'étais dans la police. Je suis un pro de la gueule de bois au volant. Ça va le faire. Pas dis bonjour confiance. À Randy. J'y manquerai pas. A plus, V. Et bah voilà. Bah voilà qui est fait. Joss, hey, salut. Joss? Joss, où tu vas? Ouais, elle s'en va. Enfin, elle va dans la caravane. Bonjour. Je vous dérange pas, j'espère. Le générateur, tu te souviens, hein? Eh ben écoutez, vous savez quoi? Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que le fait qu'on change de plateforme, encore une fois, ça ne vous dérange pas. Et j'espère que vous êtes pour, évidemment. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. Est-ce que vous préférez comme ça, avec des formats un peu plus longs? Ou est-ce que vous préférez le format un peu plus court? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais sur ce, pour ma part, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour... Takemura, qui décide de faire chier. Va bientôt commencer. Je t'attends là où on s'est rencontrés. Vers les étals. T'attires pas d'ennui, ok? Mais tout ça, ce sera dans le prochain épisode. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de prochains épisodes. Des bisous à toutes, des bisous à tous. C'était Desclao, des bisous YouTube. Et des bisous Twitch aussi, voilà. Au revoir.